Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la qualité de la donnée sur les données d'entreprise. J'espère que vous nous entendez tous bien. Vous pouvez nous donner les informations dans le chat. Vous avez un petit onglet en bas à droite de vos écrans qui va vous permettre de nous dire si tout fonctionne bien. Donc, j'ai les premiers retours. Oui, c'est très bien. Je vous fais un petit laïus technique avant de commencer l'intervention avec nos deux invités, Frédéric Ferrat, qui est responsable projet information d'entreprise chez Elisphère, et Mickaël Delaporte, responsable de la collecte de données. Vous avez en bas à droite de votre écran le chat pour nous dire s'il y a des problématiques techniques. Vous avez un onglet questions aussi qui vous permettra de poser des questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de l'intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et pendant le webinaire, on va également vous poser quelques questions via un outil sondage. Vous verrez, il y a une fenêtre qui apparaîtra devant vos yeux et qui vous permettra justement de répondre à deux petites questions qui vont justement alimenter ce webinaire. Donc, je vais vous partager du coup la présentation, histoire qu'on soit tous. Alors, je vais juste revenir au départ. Donc, tout le monde nous entend bien, c'est magnifique. Yes, et là, on est bon. Alors, normalement, vous allez voir la présentation qui va apparaître. Nickel. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien la présentation? La présentation sera disponible si vous souhaitez qu'on vous l'envoie. On vous donnera l'adresse mail directement à laquelle vous pouvez la demander. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, on va pouvoir commencer. Je pense que la plupart des participants nous ont rejoints. Globalement, on va parler aujourd'hui des enjeux autour de la qualité de la donnée pour les entreprises, donc avec Frédéric et Mickaël. Globalement, l'intervention va se passer en trois parties. On va revenir, on va dire, sur la situation actuelle aujourd'hui et sur l'open data, notamment par rapport à la donnée des entreprises. On va ensuite aborder les enjeux à venir pour les entreprises demain, les nouveaux types de données, les nouveaux indicateurs qui vont être à votre disposition, justement, dans la maîtrise de vos risques clients-fournisseurs. Et ensuite, on viendra un petit peu sur les enjeux liés aux nouvelles données et aux nouveaux enjeux réglementaires, notamment, qui peuvent entourer l'avenir, finalement. Et donc, on finira par cette séquence de Q&A qui interviendra, du coup, en fin de webinaire. On va se garder 5-10 minutes à la fin de l'intervention. Donc, je vous propose de commencer par un petit état des lieux, globalement, sur les informations d'entreprise. Et on va commencer avec toi, Frédéric. On va parler un peu de l'open data. Qu'est-ce que c'est l'open data? Quelles sont les sources de l'open data et ses limites? Donc, est-ce que tu peux revenir avec nous un peu globalement sur voilà ce qu'on entend par open data aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Alors, l'open data, déjà, c'est quoi? C'est un anglicisme hein, pour parler des données ouvertes, les données numériques accessibles à tous. Et en Europe, la France est vraiment figure de pionnier dans ce domaine, hein, parce que le principe d'un libre accès à l'information publique est très ancien. Il figure déjà dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, je ne vais pas vous dérouler toute la chronologie depuis, mais voilà, on peut retenir que c'est avec l'émergence du numérique qui a eu un élan décisif à l'open data. Et c'est véritablement depuis octobre 2016, hein, la loi Lemaire, dite hein, Lemaire pour une République numérique, a vraiment favorisé l'ouverture, la circulation des données avec la naissance de l'open data. Ces open data, donc, dont le statut découle de trois grands principes. Donc, les données ouvertes doivent être librement accessibles hein, pour le plus grand nombre d'usagers, réutilisables ou réemployables hein, si on souhaite les associer à d'autres données, par exemple, et redistribuables, c'est-à-dire qu'aucune discrimination concernant les fins d'utilisation, payante ou pas, n'est admise dans le recours à l'open data. Donc voilà, si l'apparition des données ouvertes a vraiment, comme je disais, révolutionné la transparence, le partage des connaissances, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, hein, puisque techniquement, les données publiques accessibles doivent respecter la vie privée des individus, hein, vraiment les principes du RGPD. Et en fonction de la nature de l'information, eh bien, soit l'information n'est pas communiquée, ou bien l'accord de la personne est demandé en préambule, ou encore l'information est anonymisée en cas de publication, etc. Donc vraiment, cette application du principe de privacy, hein, qui empêche, enfin, qui limite les risques, qui empêche la collecte de données sans raison légitime. Et voilà, ça évolue en permanence, hein, c'est ce qu'on va voir avec l'open data. Donc, comment elle est utilisée cette open data aujourd'hui, Frédéric? L'open data, alors, on va faire un petit focus, on va se recentrer un petit peu sur, bon, on va s'intéresser à l'information légale hein, sur les entreprises, c'est ce qui nous intéresse globalement. L'INPI, le BODAC, l'INSEE rendent publiques hein, leurs informations, dont voilà, la communication est librement autorisée à travers ce qu'on appelle des licences libres.
Pour ce qui concerne l'ISFER, on a toujours collecté les données légales en provenance de ces sources, hein, d'ailleurs de l'exhaustivité des sources publiques. Et donc, ces données qui étaient auparavant privées sont désormais utilisables par le biais de ces licences ouvertes. Mais voilà, donc c'est pas un monde parfait, par exemple, hein, les choses ne sont pas si simples. Je dirais même que techniquement, les choses sont allées en se complexifiant et ça continue au travers de la massification des jeux de données. Donc, on en a de plus en plus, le caractère hétérogène des formats sur l'ensemble du territoire, même pour une même source hein, d'ailleurs. Voilà, donc tout ça, ça tient à la nature même de l'open data. Parce qu'avec l'open data, on prend ce qui est disponible. Contrairement à un partenariat privé, il n'y a pas d'échange pour aboutir au flux qu'on souhaite mettre en place, sans même parler de qualité. Hein. Donc, il faut savoir que simplement disposer de données qui soient lisibles, qui soient exploitables, ça demande beaucoup de temps de traitement, hein, des temps d'analyse qui se sont allongés, des process d'intégration qui évoluent. On a eu des pertes d'informations, des API qui ne sont pas toujours disponibles, etc. Donc, vraiment, à la fois la croissance exponentielle du volume, la vitesse, la variété des données rend tout cet environnement de data plus complexe, plus incertain même, je dirais. Alors, on peut, hein, évidemment, on peut toujours interroger l'INPI, l'INSEE de manière unitaire hein, pour voir si une entreprise existe. Ça donne une information, mais voilà, pour des réels besoins B2B, c'est chronophage, c'est risqué, voire très risqué. On va voir les limites de se limiter à une source légale parce que on va voir les limites que ça peut avoir et il faut faire très attention aux données qu'on peut récupérer. Donc, tout d'abord, bah, ça tient donc à la première définition, hein, l'open data doit par nature être primaire, hein, c'est-à-dire que la donnée est brute, elle est non traitée. Donc, si elle comporte des erreurs, elle est délivrée dans cet état-là. Ensuite, les données en open data ne sont pas exhaustives. Hein, je disais, si vous consultez l'INSEE, par exemple, sur un sirène pour avoir un avis de situation, hein, je veux savoir si cette entreprise est active ou pas. Alors, je parle de l'INSEE parce qu'elle est beaucoup considérée comme une golden source, hein, on verra que c'est pas forcément le cas. Donc, à l'instant T, on peut avoir une information correcte comme une information incorrecte en fonction de la situation de l'entreprise. Parce que l'INSEE, encore une fois, donc, gère un fichier déclaratif et ne dispose pas de toutes les décisions collectives et ne dispose pas des procédures collectives. Donc, si une cessation intervient, une société donc, est sous le coup d'une procédure collective, une liquidation judiciaire, par exemple, qui vient d'être prononcée, l'INSEE prendra en compte cette information que quand l'entreprise sera radiée, donc bien longtemps après le jugement d'ouverture. Donc, elle va nous dire que la société est active alors qu'elle ne l'est pas. Ou une entreprise individuelle, par exemple, qui exerce sous le coup d'une interdiction de gérer, eh bien, ou une faillite personnelle, l'INSEE va la considérer active, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc c'est vrai pour beaucoup d'événements de la vie d'une entreprise, hein, une réactivation, une cessation d'activité, etc. Ensuite, les limites. Donc, on parlait des erreurs. Donc, les erreurs, eh bien, sont humaines. Hein. Les sources légales ne font pas exception. Ça peut résulter de la mauvaise saisie d'une donnée, des fautes de frappe, des fausses abréviations, des erreurs de sirène, une information incomplète, etc. Voilà, on verra un peu plus tard que chez l'ISFER, donc, on redresse toutes ces anomalies, on complète les informations et on verra comment. Et donc, enfin, toutes ces erreurs et ces informations complètes eh bien, vont être reprises hein, par les acteurs de l'open data, les agrégateurs d'open data. Donc, toutes ces informations qui viennent de différentes sources sur un même sirène hein, peuvent potentiellement bah, se contredire. Une information qui est certes un petit peu plus ancienne en open data peut être plus riche et fiable qu'une information en open data plus récente d'une autre source. Voilà. C'est globalement tout le défi hein, de l'information entreprise, bah, faire en sorte que l'information qu'on recueille soit fiable, pertinente pour répondre aux besoins des clients qui veulent des données évidemment qualitatives et cohérentes. Puisque la collecte de données, hein, vraiment de data, n'est pas une fin en soi, ça devient de l'information décisionnelle notamment et utile quand on donne un contexte et surtout en credit management, c'est prédire le risque de crédit, prévenir le risque d'impayé. Donc voilà, c'est autant d'enjeux auxquels l'open data ne peut pas répondre seul, puisque l'open data apporte une vision brute hein, des données, sans anticipation, sans classification du risque de défaillance ou de crédit, et surtout sans le suivre, hein, sans le monitorer. Donc, tu l'as dit, Frédéric, on a accès à de plus en plus de données en open data. Globalement, depuis quelques années, ces données elles sont de plus en plus nombreuses. Elles nécessitent, pas toutes, mais la plupart, un retraitement. J'aimerais que tu reviennes un peu avec nous sur justement comment on peut garantir aujourd'hui à travers ce nombre de sources une information qui soit fiable et actualisée et donc utilisable par les entreprises pour monitorer leurs risques client-fournisseur, par exemple.
Oui, alors bah, je l'ai dit, hein, l'ISFER donc, capte quotidiennement l'exhaustivité des informations légales via les API mises à disposition, mais toute la force de notre base de données, du référentiel d'entreprise, c'est qu'il est également alimenté par une pluralité d'autres sources qu'on voit sur le slide, donc qui sont le plus souvent complémentaires entre elles. C'est vraiment l'élément différenciant de l'ISFER, hein, disposer de cette base d'entreprise qui est nourrie des sources publiques, mais aussi de données privées hein, qui proviennent de différents partenaires, de communautés de remettants, où voilà, notre référentiel va aussi être nourri par toutes les collectes internes qu'on fait et les enquêtes qui sont réalisées donc, par nos équipes dédiées. Voilà, c'est vraiment le multisourcing qui va conférer toute la richesse, toute la fiabilité à notre fonds documentaire et au plus près évidemment de la réalité des entreprises. Pour être plus concret, ce qui va nous différencier d'Open Data Only, c'est vraiment le fait de disposer par exemple de tous les bilans confidentiels. Il faut savoir que près de 70% des comptes publiés le sont avec une mention de confidentialité, hein, totale ou partielle. Donc ces éléments, nous, on les a, on les prend en compte dans nos scores, avis de crédit, dans nos analyses de solvabilité. Autre chose, on va intégrer les informations des JAL, des SHAL, hein, des supports habilités aux annonces légales. Donc cette source n'est pas en open data. Et les JAL ont une mission d'information des tiers avant que la formalité soit enregistrée. Donc ce sont souvent les premiers. Donc en termes de fraîcheur d'information sur les décisions collectives, notamment des fusions, des dissolutions, des transmissions de patrimoine. Et les procédures collectives, voilà, le JAL va bien se positionner en termes de fraîcheur. Pour tout ce qui est justement des procédures collectives, par exemple, on va recevoir des greffes, pardon, les jugements à J plus 1 du prononcé du tribunal, hein, quand l'information en open data, donc du BODAC, va arriver quelques jours plus tard. On va avoir toutes les informations de contact, les téléphones, les mails. Les expériences de paiement, on y reviendra un petit peu plus tard avec Michaël, via une communauté de remettants. Les privilèges généraux de sécurité sociale, de trésor, toute la presse aussi, donc toute la veille média, hein, papier web qui sert à enrichir les informations et nous délivrer des signaux faibles, on le verra aussi un petit peu plus tard. J'insiste sur les liens financiers aussi, donc tous les liens capitalistiques. Hein, Elisfer dispose aujourd'hui vraiment de la meilleure base de liens du marché. En termes de qualité, de fraîcheur, de périmètre, de profondeur des liens. On a les informations sur l'international également. Et voilà. Et toutes ces informations-là, elles sont surveillées, sont monitorées. Dès qu'une nouvelle information arrive, dès qu'une modification apparaît, le client en est avisé. Voilà. C'est vraiment tout ce qui va nous permettre d'accompagner nos clients dans la prise de décision en matière de gestion de crédit, dans les besoins en data marketing ou encore en conformité. Donc, tu nous disais la data quality, elle est au cœur de l'expertise Elisphere. Globalement, comment les équipes travaillent pour garantir justement cette fiabilité de l'information? Oui, bah, oui, la data quality au cœur des préoccupations, hein, ça fait partie vraiment intégrante de la culture d'entreprise Elisphere, puisque bah, toute cette richesse de données, on va pas simplement la collecter et mettre les données sur étagère, on va confronter les données entre elles, les redresser quand c'est nécessaire. Et maintenir cette qualité dans le temps. La qualité qui se traduit donc à travers les dimensions qu'on voit sur la slide. Donc, on veut des données cohérentes, fraîches, hein, avec la plus courte période possible entre la date de surveillance, date de survenance, pardon, de l'événement et sa publicité. On veut qu'elle soit exhaustive, donc évidemment différenciante par rapport à l'open data, précise. Et traçable, hein, la traçabilité est primordiale, c'est-à-dire avoir l'origine de la donnée, toutes ces transformations, hein, donc on trace tout. La disponibilité, donc voilà, toutes ces dimensions. Et pour assurer donc ce niveau de qualité, un premier niveau en entrée, donc toutes les données qu'on va intégrer, donc multisourcées, donc sont soumises à des contrôles au chargement au travers de centaines de contrôles de cohérence hein, qui sont adossés à des règles métiers. Et en sortie, on a des logs qui sont générés en vue d'un traitement manuel par nos équipes pour analyser, qualifier, corriger manuellement, enrichir les informations quand c'est possible. Et faut savoir que tant que ces erreurs majeures ne sont pas corrigées, l'information ne part pas en diffusion chez nos clients. Voilà. Donc tous ces contrôles vont s'appliquer sur les données d'une même source, sur la même donnée qui est issue de sources différentes, etc. pour un même CIRM. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc chaque donnée donc fait l'objet de chaque information fait l'objet d'une correction quand on a des erreurs et chaque donnée est formatée, datée, archivée, rattachée à sa source d'origine. Et pour ça, il faut évidemment une organisation qui soit adaptée pour mettre tout ça en œuvre. On va voir ça dans le slide suivant, François.
s'il te plaît, voilà, l'expertise humaine, hein, qui est vraiment incontournable, hein, dans le data quality management chez Elixir. Donc, je ne vais pas revenir sur les sources, mais vraiment pour répondre aux enjeux de la donnée, on y répond par une direction, hein, dédiée, la direction de la production au sein de laquelle je travaille. Donc, cette direction, elle est chargée de l'ensemble des process d'alimentation, de contrôle et d'amélioration en permanent tout au long du cycle de production de l'information, où encore une fois, l'action humaine est prépondérante puisqu'on a des équipes d'experts qui sont dédiées à la collecte, au contrôle, à l'analyse des données, la correction, l'enrichissement, etc., pour valoriser l'information d'entreprise. C'est vraiment donc ces 60 personnes au quotidien qui vont traiter les comptes annuels, les chats, les journaux d'annonces légales, les BODAC, les procédures collectives. Hein, parce que je vous rappelle, on a trois sources, hein, pour une procédure collective. Donc, il faut en fait que l'équipe soit là pour traiter les incohérences, les anomalies et compléter les informations pour que vraiment nos clients bénéficient en sortie de l'information la plus complète possible. Idem pour BODAC et Échal, donc certains événements, hein, compte tenu de leur complexité, ont besoin vraiment de traitements manuels, comme les projets de fusion, les fusions, la recherche de sirène quand il est absent dans l'annonce, etc. Donc, l'œil humain et l'expertise humaine sont vraiment incontournables. Et chaque année, c'est vraiment des centaines de milliers de corrections qui sont opérées manuellement par nos équipes, hein, qui vont croiser les infos avec celles dont on dispose en base de données. Et pour finir, voilà, on a une équipe d'analystes également qui est là pour réaliser des enquêtes. C'est un vrai diagnostic sur les entreprises avec une vision dynamique, actualisée dans son contexte, dans le contexte de l'entreprise interrogée et de son marché, quoi. C'est vraiment une prestation à forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, expertise métier, il n'est pas question de délivrer de l'information au kilo. L'expertise métier chez Elixir, c'est vraiment incontournable pour exploiter toutes ces données qui sont de plus en plus variées et les traiter pour leur donner un sens opérationnel et qui soit utile dans la décision de crédit. Donc, tu nous as donné une vue un peu globale de l'organisation chez Elixir et du sourcing de data dont on dispose. J'aimerais que tu reviennes un peu avec nous sur la partie lien financier qui aujourd'hui, dont il n'existe pas de données publiques à proprement parler sur la connaissance de ces liens capitalistiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez nous, cette expertise-là, en tout cas cette data-là? Oui, j'avais à cœur de faire un focus sur l'équipe lien financier. Rapidement, le lien financier, c'est, on le voit, le lien capitalistique, hein, entre une personne morale pourvue d'un capital social et un actionnaire. Que cet actionnaire soit une autre personne morale, une personne physique ou une entité virtuelle, hein, un organisme non immatriculé, un groupe de personnes physiques, une famille, etc. Donc, on a une équipe de liens financiers composée d'une vingtaine de personnes qui va au quotidien enrichir la base de liens capitalistiques, garantir la mise à jour annuelle des plus grands groupes français, prendre en charge toutes les prestations de recherche de bénéficiaires effectifs, hein, à la demande de nos clients, monitorer les sociétés les plus demandées par nos clients, celles qui sont les plus consultées, monitorer les événements qui impactent le capital, hein, dès lors qu'on a connaissance d'une cession de parts, par exemple, et bien on va aller chercher à mettre à jour, évidemment, les liens d'actionnariat. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important de garder en tête sur ce thème, c'est que cette donnée n'existe pas en open data, et même le lien capitalistique, c'est une info dite querrable et non portable, c'est une info qu'il faut aller chercher. C'est pas une info qu'on peut recevoir, ça n'existe pas. Donc, il faut aller la chercher. Si on voit sur le slide suivant, donc c'est ce que notre équipe fait au quotidien, va lire, décortiquer, exploiter toutes les sources documentaires telles que, on le voit, donc la presse, le ballot pour les sociétés cotées, l'AMF, les sites spécialisés, hein, Euronext, etc., les sites institutionnels bien sûr, les comptes annuels. Hein. Je vous rappelle qu'on a tous les comptes annuels publiés, les actes et statuts, voilà, et toutes les informations qui sont également aussi issues des contacts qu'on a en direct avec les sociétés. Donc voilà, c'est vraiment tout le cycle de vie d'une entreprise à capital qui est suivi, puisque évidemment, les liens d'actionnariat et de participation évoluent. Donc, et on va mettre sur ces actualisations donc une date de fraîcheur au plus près de la réalité des événements de l'entreprise. Donc, avant de passer à la suite, on aimerait vous poser une question via l'outil sondage dont je vous parlais en début de présentation. On souhaiterait savoir, en fait, aujourd'hui, quelle approche vous utilisez pour chercher de l'information sur les entreprises. Vous allez avoir une petite pop-up qui va apparaître d'ici
quelques secondes sur votre écran. Donc vous avez un choix multiple. Donc vous pouvez cocher plusieurs options en fonction de bah, ce que vous utilisez aujourd'hui. Alors j'ai une question de Patrice Idinga qui nous demande une information carable. Est-ce que tu peux expliciter ce qu'on entend par là, Frédéric? Ah, l'information Érable, carable, pardon. eh bien, il. Oui, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Donc, contrairement à l'ensemble des autres sources dont j'ai parlé jusque-là, c'est des informations qu'on va pouvoir recevoir, hein, même quand on a un peu un partenariat privé que, avec un partenaire payant, hein, je dirais. Donc, on va recevoir des flux d'informations. Hein, on va recevoir des fichiers, on va recevoir, ou même quand on interroge une API, etc. Donc voilà, c'est des informations qui sont prêtes à l'emploi, en tout cas, même si on veut en agréger d'autres avec, ou on veut les corriger, les améliorer. Donc voilà, c'est une information qu'on reçoit, c'est toutes ces informations un peu portables. L'information quérable, c'est celle qu'on va aller quérir, qu'on va aller chercher. Il n'y a pas de source qui existe sur les liens financiers. Hein, c'est ça que je voulais dire par Kerab, c'est vraiment une information qu'on se doit d'aller chercher, qu'on ne peut pas recevoir. Voilà. Juste pour préciser là-dessus, donc vous le savez sans doute, donc depuis 2017, fournir l'information de BE, bénéficiaire effectif, c'est une formalité obligatoire à accomplir pour les sociétés. Hein, c'est une info qui est reportée dans le registre national du commerce et des sociétés, qui est diffusée par l'INPI. Donc, il y a beaucoup de sociétés hein, qui ont fait leur déclaration de BE dès le départ, hein, de 2017-2018, mais voilà, qui n'ont pas fait de mise à jour depuis, etc. Donc, voilà, encore une fois, on constate que l'open data peut être une base, mais ne va pas indiquer quel est le lien entre la société et son BE. Hein, alors que chez l'ISFER, on va vraiment détailler les pourcentages de détention, on va donner les droits de vote, etc. On va vraiment délivrer toute la structure actionnariale avec tous les niveaux, les actionnaires, les actionnaires des actionnaires, etc., y compris à l'étranger. C'est pour ça que j'insiste sur les liens financiers, c'est vraiment une des rares informations qui, encore une fois, qui ne soit que quérable, hein, qu'il faut aller chercher, qu'on ne peut pas recevoir d'une source. Très bien, j'espère avoir répondu à la question. Pour les résultats du sondage, bah, globalement, on a une majorité de personnes qui font appel aujourd'hui à des prestataires externes, suivies de près à 31% par l'open data et une minorité de 22% pour le sourcing interne. Donc il y a quand même des gens qui s'auto-sourcent quand même aujourd'hui sur leur recherche d'informations sur les entreprises. Donc on va pouvoir passer à la suite et on va aborder du coup avec Mickaël et Frédéric. Bah, des besoins de plus en plus croissants. On a vu que le contexte actuel de l'économie, et notamment dû aux crises successives, Covid, le conflit russo-ukrainien qui pose problème sur l'alimentation en matières premières et sur le coût des énergies, qui nécessite, on va dire, de l'information de plus en plus précise par rapport aux besoins qu'ont les entreprises. Et quand on parle de ces informations-là, on parle souvent de signaux faibles. Est-ce que vous pourriez revenir avec moi tous les deux sur bah, qu'est-ce qu'on entend par un signal faible et peut-être donner quelques exemples qui pourraient être utiles? Oui, bah les signaux faibles, ça peut nous aider à prédire et anticiper, ça nous aide à prédire, à anticiper des risques. Hein, donc on a parlé open data, on a parlé données complémentaires. Pour autant, voilà, faut toujours être innovant, proactif en termes d'informations entreprises et de solutions quand on bâtit des solutions pour nos clients. Donc c'est ce qu'on fait au travers d'ActuMédia, qui est un score de presse hein, qui est élaboré par notre équipe data science, donc qui se base sur l'intelligence artificielle et qui s'est construit, donc qui se construit à partir de dizaines de milliers de résumés d'articles de presse. Hein, voilà, donc il vient en complément du score de défaillance, hein, il va apporter des signaux précoces d'alerte par l'analyse sémantique de la presse. Hein, donc ça se traduit sur nos produits, sur un sirène donné, il y a un indicateur qui est positionné en regard du sirène et en regard de chaque article de presse, hein, en fonction de si voilà, c'est une attention particulière à porter. Donc il y a une indication de code couleur. Donc voilà, encore une fois, donc des données. Et voilà, traiter les signaux faibles par le truchement de l'expertise métier, hein, c'est-à-dire collecter des données, mais les interpréter, leur donner un sens. Voilà pour ActuMédia. Bonjour à tous. Donc moi je vais prendre la relève de Frédéric. Donc voilà. Donc après l'autre signal faible qui est important, c'est la connaissance des comportements de paiement. C'est quelque chose qui est devenu primordial. Ça permet de négocier des conditions de paiement adaptées, et puis des stratégies de recouvrement efficientes et donc du coup d'améliorer sa trésorerie. Ça permet aussi d'anticiper des risques d'impayés, donc d'améliorer sa rentabilité.
Et enfin, ça permet aussi de libérer les encours prospects et clients et potentiellement d'augmenter son chiffre d'affaires. Alors, comment on évalue les comportements de paiement des clients et prospects? En fait, c'est grâce à des indicateurs qui sont générés à partir d'expériences de paiement. Qu'est-ce qu'une expérience de paiement? Alors, on entend une expérience, par expérience de paiement, on entend incident de paiement et toutes données relatives aux factures. Chez Lisphere, nous avons deux indicateurs de comportement de paiement. Un qui s'appelle PERANC et qui a une approche sectorielle. En fait, il s'agit du DPO moyen d'une entreprise comparé au DPO moyen de son secteur. Donc, on vous dit finalement si l'entreprise paye mieux ou moins bien que la moyenne de son secteur. Alors, cet indicateur, il est généré à partir de données essentiellement publiques et il est mis à jour une à deux fois par an. Alors, il a une vue qu'il est donné s'il est généré sur la base de données publiques, il a une couverture assez large. Et donc, voilà, vous pouvez consulter cet indicateur sur beaucoup de sociétés. Le deuxième indicateur de comportement de paiement, c'est Paytrend. Et donc là, on est plus sur un retard de paiement moyen. Et l'origine des données est privée. Et on est plus sur des données relatives aux factures et notamment tout ce qui est grand livre de compte de tiers ou balance AG détaillée par facture. Donc là, on est plus sur une approche, la couverture est un peu plus restreinte, mais on est plus sur une approche dynamique et concrète. Voilà, en fait, savoir que quand même cet indicateur, il est mis à jour une à deux fois par mois. Et donc, on voit réellement comment paye l'entreprise en nombre de jours. En matière de signaux faibles, il y a un autre indicateur qu'on a diffusé, notamment pour faire face à la crise Covid, c'est l'indice de résilience. Et en fait, l'objectif de cet indice est d'évaluer la capacité d'une entreprise à entrer et à faire face à la crise Covid. En fait, cet indice repose sur deux piliers. Un indicateur sectoriel qui détermine la sensibilité de l'activité de l'entreprise et un indicateur financier qui, lui, est composé de trois ratios. Donc, le ratio de liquidité réduite d'exploitation, la marge brute d'exploitation et l'autonomie financière. Et en fait, ces trois ratios permettent de répondre à trois questions. Est-ce que l'actif disponible à court terme de l'entreprise est suffisant au regard des dettes? Est-ce que le niveau de la marge brute d'exploitation est en cohérence avec l'intensité capitalistique de l'entreprise? Et enfin, est-ce que l'entreprise sera en mesure de se refinancer? On reviendra sur l'indice de résilience qui évolue par rapport au contexte actuel, qui va répondre à d'autres enjeux. Mais j'aimerais qu'on aborde avec toi, du coup, Mickaël, les enjeux autour de la donnée sur les entreprises demain. On se rend compte que malgré la forte disponibilité en open data des données publiques, en fait, le partage de l'information, c'est aussi une des clés qui permet d'encourager une économie fiable, durable et transparente. Et j'aimerais que tu reviennes avec nous justement sur l'utilité qu'ont les entreprises à partager de l'information avec des prestataires tels que Lisphere. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a un constat qui est paradoxal qui est fait, c'est que l'environnement des entreprises connaît des changements de plus en plus nombreux et rapides. Et à côté de ça, on a des données, on fait une appréciation du risque principalement basée sur des données qui sont statiques et surtout en raréfaction. Je parle des données financières. Les données financières, par exemple, permettent une appréciation d'une entreprise qui a déjà 9 à 12 mois révolus. Et pendant cette période, l'équilibre financier de l'entreprise peut avoir été détérioré par différents facteurs, différents événements, que ce soit une crise, une catastrophe naturelle, enfin une guerre, une inflation, etc. Donc, en fait, on a un décalage entre l'environnement et les données sur lesquelles on évalue les entreprises. Et justement, donc, l'un des enjeux, comme l'a expliqué Frédéric, c'est qu'il faut de la qualité de données pour avoir des indicateurs qui sont fiables, parce qu'il y a des corrections à faire, et plus il y aura de la donnée fiable et juste, et plus les indicateurs seront bons, mais il faut aussi des informations qui soient fraîches, et la temporalité de l'information est un enjeu vital. Le partage de données permet d'avoir une évaluation qui correspond à la réalité du moment. L'analyse financière est fondamentale,
mais elle doit s'accompagner de données fraîches et qui permettent de pouvoir générer des indicateurs dynamiques et qui soient à jour. Alors, pourquoi partager? Pourquoi une entreprise partagerait? En fait, nous, on donne la possibilité aux entreprises de se faire connaître, de se connaître et de se faire connaître. En fait, ça permet à l'entreprise de donner confiance, notamment à ses tiers, que ce soit des clients, fournisseurs et banques. Et mieux, et partager l'information, c'est aussi mieux connaître ses clients et donc mieux piloter son activité. À savoir qu'en octobre 2021, CCI France a fait une étude auprès de 2600 entreprises et les deux tiers d'entre elles jugent que le partage de données est indispensable et stratégique, notamment dans une optique d'innovation et d'amélioration des produits. Alors, ils ont tout à fait, ces entreprises sont parfaitement dans le... parfaitement raison d'estimer ça stratégique, mais la logique est exactement la même en ce qui concerne l'évaluation d'entreprise. Plus on partagera d'informations et plus les indicateurs qui vous servent au quotidien, voilà, vous serez éclairé, vous permettra de prendre des décisions quotidiennes et mettre en place des stratégies adaptées à la situation. Ce que je te propose, Mickaël, c'est qu'on revienne un peu sur nos programmes collaboratifs qu'on a mis en place au sein d'Alisphère, et notamment sur, en premier lieu, la charte de transparence qui existe depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe et ce que ça permet de faire pour les entreprises? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la charte de transparence, Alisphère a mis des programmes collaboratifs en place depuis plusieurs années maintenant. Et la charte de transparence, c'est une approche déontologique, en fait. Alisphère, donc note des entreprises chaque jour, score des entreprises chaque jour. En fait, c'est permettre à une entreprise qui est non cliente de consulter nos informations et notre évaluation, et ça gratuitement sur simple demande. En fait, on essaye d'être le plus transparent vis-à-vis des acteurs de l'économie et leur permettre de justifier une note qui ne serait pas forcément justifiée de leur point de vue. Et donc, c'est quand même un programme qui est assez, qui rencontre un certain succès. Et donc, comme je le disais, c'est un programme, la charte transparence, c'est se faire connaître pour être le plus transparent vis-à-vis des tiers. Et donc, ce programme a un certain succès. C'est quand même plus de 2000 sollicitations par an et donc parfois on révise l'évaluation de l'entreprise. Alors que le deuxième programme collaboratif, donc c'est Décube. Donc, Décube pour donner, donnant, donnant. Donc, il s'agit d'un programme de partage d'expériences de paiement. Et c'est ce programme qui permet d'alimenter les indicateurs du comportement de paiement d'Alisphère. Il s'agit de donner, donc, alimentant des indicateurs stratégiques. Et Alisphère a souhaité mobiliser des ressources importantes sur ce sujet, soit des ressources commerce, marketing, informatique et production. Alors pour certaines entreprises, il s'agit de données sensibles et nous essayons d'être au maximum, de donner confiance et de lever au maximum les freins des entreprises pour participer à ce programme. D'un point de vue juridique, le programme il est conforme à la législation en vigueur. Le programme est encadré par un acte d'engagement dans lequel Alisphère garantit la confidentialité des données et l'anonymat des participants. Voilà, on ne divulgue pas les informations qui nous sont transférées, les données brutes, on ne les divulgue pas. Elles servent à générer les indicateurs de comportement de paiement. Les données qui nous sont transmises sont stockées sur nos serveurs, serveurs qui sont d'ailleurs localisés en France. Et nous essayons de faciliter au maximum la transmission des données en développant des connecteurs avec des éditeurs de logiciels, que ce soit Altizis, Interactive et Loficache. Et comme sous-entendu dans le nom du programme, Décube donne accès aux remettants à certains produits et services gratuits. Voilà. Très bien. Donc après avoir vu justement cette présentation des outils collaboratifs, on a une deuxième question pour les participants à ce webinaire. Je souhaiterais savoir aujourd'hui si, peut-être que vous le faites déjà, est-ce que vous partagez des données auprès d'entreprises pour justement permettre à la création d'indicateurs plus fiables? Comme le disait Mickaël, les délais de paiement aujourd'hui, c'est une problématique qui est de plus en plus importante. On va y revenir après, on va parler un peu de la facturation, la mise en place de la facturation électronique au sein des entreprises d'ici 2024 et 2026. Donc là, on a une majorité de personnes qui répondent que
il serait prêt à partager de l'information. Globalement, Michael, ce qu'on a expliqué, c'est voilà, les entreprises remettantes aujourd'hui, elles bénéficient d'une lecture de leur portefeuille au niveau du risque, c'est-à-dire tout ce qu'on peut proposer en termes de scoring d'entreprise et niveau de risque du portefeuille. Donc, il y a un double avantage finalement pour les remettantes, c'est aussi de disposer d'une meilleure vision de leur portefeuille en matière de gestion des risques, mais également de piloter grâce aux indicateurs P-Rank et P-Trend que tu présentais plus tôt, une vue globale des expériences de paiement du secteur, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a des, comme je disais, des contreparties. En fait, c'est certains produits, notamment des diagnostics, mais aussi des sérialisations gratuites. Voilà, donc ça, c'est vraiment les contreparties. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, plus il y aura de données, plus il y aura de participants, plus il y aura de données, et plus la couverture de P-Trend, notamment, sera, on va dire, fiable et large. Donc, et ça vous permettra à vous d'avoir encore un peu plus d'accès au comportement, à plus de comportements de paiement vis-à-vis des entreprises, de vos clients. Donc, c'est vraiment plus il y a de monde et mieux c'est, dans la mesure où ce sera plus fiable et la couverture plus large. Très bien. Et du coup, en conclusion, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les nouvelles données pour faire quoi. On parlait justement du partage de l'information pour créer des indicateurs plus fiables. Et j'aimerais que Frédéric et Mickaël, vous reveniez avec nous sur les projets à venir justement qui vont permettre d'utiliser soit des signaux faibles pour alimenter justement de nouveaux indicateurs qui permettront d'avoir une vue plus actualisée de la situation des entreprises. Et on pourrait commencer justement par l'évolution du score de défaillance, peut-être Frédéric ou Mickaël. Oui, notre score donc sur les entreprises qui établit la probabilité de défaillance à un an en standard. Donc c'est un score de troisième génération qui repose sur des algorithmes basés sur des mécanismes d'apprentissage. C'est le machine learning pour ceux qui connaissent en intelligence artificielle. Donc il va venir croiser, analyser statistiquement des millions de données. Donc régulièrement, en fonction des nouvelles données, des nouveaux indicateurs que nous avons, on procède à des recalibrages pour prendre en compte plus de variables, pour les prendre en compte plus finement, que ce soit, comme tu disais, le comportement de paiement, l'impact des liens capitalistiques, etc. Donc c'est un score qui apprend toujours et on lui fait apprendre toujours de nouvelles choses pour être de plus en plus performant. Et on l'a vu, son indice de Gini est excellent et c'est un score qui est excellent. Donc, l'indice de Gini, les performances sont très bonnes. C'est l'indicateur qui permet de monitorer la performance des algorithmes. Donc, voilà. L'indice de dépendance, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un projet qui est en cours chez Elisphere et son objectif, c'est d'évaluer la dépendance économique entre les entreprises sur la base du taux de dépendance et de voir quel est le risque de cette dépendance vis-à-vis d'un client majeur. C'est-à-dire qu'en cas de défaillance d'un des clients majeurs, restructuration d'un groupe qui se sépare de différentes entités, c'est évaluer le risque d'une entreprise qu'elle a vis-à-vis d'un client majeur. Ça, c'est un projet qui est en cours sur lequel on travaille. Et on parlait aussi d'indice de résilience V1 donc, qui a été mis en place pour répondre aux enjeux de la crise Covid, donc qui analysait comment les entreprises étaient rentrées dans la crise vis-à-vis de leur secteur d'activité, si le secteur d'activité avait été plus ou moins impacté par la crise Covid. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'indice de résilience V2 et quels indicateurs il va prendre en compte en plus pour correspondre plus à la réalité des nouvelles crises qui sont nées depuis quelques années? Tout à fait. Alors l'architecture. L'évolution. Donc, l'indice de résilience va évoluer, mais cette fois pas pour faire uniquement pour répondre aux besoins de la crise Covid, mais toutes les crises successives qui sont passées, c'est-à-dire que ce soit l'inflation, que ce soit la crise de l'énergie, que ce soit la guerre en Ukraine. Donc, il y a une évolution qui est faite. L'indice repose toujours sur deux piliers qui sont financiers et secteurs. Mais sauf que d'un point de vue sectoriel, on a revu le référentiel en prenant en compte toutes les incidences liées aux hausses du prix de l'énergie, des matières premières, etc. Et d'un point de vue financier,
En fait, les évolutions sont toujours avec les trois ratios, mais on a fait des projections 2023 du ratio de liquidité parce que les ratios de liquidité 2021 et 2022, et notamment 2022, sont très très bons par rapport à la norme. Parce qu'il y a eu pas mal de PGE, il y a eu pas mal d'aides de l'État, notamment vis-à-vis des charges sociales, etc. Donc là, les ratios de liquidité sont anormalement bons. Et donc, on a fait des projections de ce ratio de liquidité et on les a prises en compte dans l'indice de résilience V2. À savoir que cet indice de résilience sera, ce nouvel indice de résilience, sera disponible normalement d'ici fin décembre. Voilà. Très bien, de bonnes nouvelles. Et enfin, pour terminer, l'indice de vigilance. Oui, je serai un petit peu moins polie sur l'indice de vigilance. Le projet est en cours. Hein. C'est un indice sur lequel nous travaillons et qui a pour objectif de nous d'identifier des comportements qu'on va qualifier de atypiques. On va dire, qui sortent de l'ordinaire dans la vie d'entreprise, voilà, qui sont susceptibles de nous alerter et donc d'alerter nos clients concernant voilà, l'ensemble de la vie économique de l'entreprise. Donc, voilà, on pourra en dire davantage en début d'année. On reviendra à cette occasion sur une présentation plus précise de ce nouvel indicateur. Et du coup, je vous propose qu'on termine avec les nouveaux enjeux à venir pour les entreprises. Quand je parle des nouveaux enjeux, on parle du RNE, on parle du risque extra-financier, des réglementations qui arrivent, notamment taxonomie, CSRD, qui vont concerner pas mal d'entreprises, et la mise en place, comme on le rappelait en introduction, de la facturation électronique à partir de 2024 jusqu'en 2026, qui touchera toutes les entreprises françaises. Est-ce que vous pouvez revenir un peu avec nous sur ces différents enjeux, finalement ? Oui, je vais parler du RNE. Ça, c'est un projet évidemment incontournable. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est ce qui va se mettre en place donc, dès le 1er janvier 2023, hein, ce registre national des entreprises qui va remplacer la plupart des registres et répertoires d'entreprises qui existent. Hein, donc, voilà, toutes les typologies d'entreprises sont concernées par ce nouveau registre auprès duquel elles seront tenues d'effectuer toutes leurs formalités légales, hein, d'abord s'immatriculer, ensuite renseigner les modifications, etc., en lieu et place des centres de formalité des entreprises actuelles. Hein. Donc, c'est un guichet électronique unique qui sera géré par l'INPI qui va donc alimenter ce registre national. Donc, voilà. Donc, il y a quelques registres qui vont disparaître. Et voilà, donc ça se met en place, donc c'est plutôt voilà, pas beaucoup de travail technique de notre côté pour gérer Très bien. Alors, extra financier, on en parle, on parle de scoring RSE, qui va être une attente qui est de plus en plus présente au sein de la société, mais aussi qui touche les entreprises. Mickaël, tu peux nous parler un peu de ce risque extra financier et globalement comment aujourd'hui on l'entrevoit chez Elisphère. Alors, effectivement, donc, en fait, les entreprises vont, notamment les grandes entreprises, vont avoir de plus en plus de responsabilités sociales et ne plus uniquement se baser sur être évaluées sur des données financières, ce qui est actuellement notamment la norme. Et voilà, donc, de plus en plus de responsabilités sociales et écologiques, notamment. Il va y avoir une taxonomie qui va être mise en place, des normes qui vont être mises en place. Donc ça, on sait chez Elisphère que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans nos évaluations et sur lesquelles on travaille. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu qui est croissant, qui va devenir important dans l'évaluation d'une entreprise. Voilà, parce que historiquement, les entreprises ont pris de plus en plus de la ont une certaine responsabilité et doivent prendre une certaine responsabilité sociétale et écologique. Ouais, c'est arrivé de nouvelles typologies d'informations potentiellement suite à la mise en place de ces réglementations et potentiellement une exploitation qui pourra amener justement sur du scoring qui permettra de ne pas uniquement scorer la partie financière mais aussi la partie extra-financière qui peut être aussi très importante pour les entreprises et qui va l'être de plus en plus dans les prochaines années. Et enfin, un des enjeux dont on parlait tout à l'heure, la facturation électronique, qui, si celle-ci a pour but initialement de lutter contre la fraude et la TVA, il y a aussi beaucoup d'espoir. On en discutait lors d'un podcast avec M. Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises, sur la diminution des retards de paiement dus à la facturation électronique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, Mickaël ?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, voilà, il y a Jeanne-Marie Prost qui restait assez dubitatif quant à l'amélioration des délais de paiement grâce à la facturation électronique. Voilà, après, à savoir qu'effectivement, les chiffres lui donnent plutôt raison, notamment vis-à-vis des ETI et des grandes entreprises qui sont les plus mauvais payeurs, alors que ce sont les mieux équipés. Alors moi, je serais plus d'avis de Pierre Pellouzet, justement, président de la médiation des entreprises, où, voilà, en ce qui concerne les ETI, les grandes entreprises, c'est celles qui sont effectivement le mieux équipées, entre guillemets, mais c'est celles qui ont dû essuyer aussi, qui ont plus de volume et qui ont dû essuyer les plâtres, entre guillemets, de la facturation électronique. Donc, il y a une montée en compétences des équipes qui doivent être faites. Des équipes et des SI aussi, voilà. Et notamment, la DGCCRF a constaté aussi dans son rapport qu'il s'agissait plus d'une désorganisation comptable non adaptée que d'une volonté de mal payer, voilà. Et voilà, pour revenir sur les propos, notamment l'optimisme, on va dire, de Pierre Pellouzet, moi, je suis plus d'avis qu'effectivement, ça va améliorer les choses pour plusieurs raisons. C'est que, un, les administrations publiques sont passées à la facturation électronique et derrière, il y a une amélioration des délais de paiement. Deux, que l'Italie est également à la facturation électronique depuis 2019 et que des délais de paiement ont progressé. Alors, il reste quand même, les délais de paiement restent élevés, mais ils ont nettement progressé. Ils ont gagné un jour, ils ont été raccourcis d'un jour en 2 ans. Et au milieu, il y avait la crise Covid. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va améliorer. C'est un levier d'amélioration nette des délais de paiement. Après, il faut d'autres leviers toujours que les entreprises fassent respecter leurs délais de paiement en appliquant la réglementation avec les. Et aussi, en fait, donc je pense que c'est un levier majeur qui améliorera les choses. À savoir qu'effectivement, le respect des délais de paiement, ça permet de sauver les entreprises qui sont fragilisées par des facteurs conjoncturels. Ça leur permet à ces entreprises de respecter leurs délais fournisseurs. Mmh. Et aussi, ça leur rend une capacité d'investissement qu'ils n'ont plus à cause de ces retards de paiement. Donc, c'est très important. Effectivement. Alors, on a un petit peu dépassé le créneau, on est vraiment désolé, on a dépassé 3 minutes, mais on va quand même se garder peut-être 2-3 minutes pour les réponses aux questions. Alors, j'ai pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous en avez suite à la présentation qui a été assez, assez riche de la part de Nathalie, de Frédéric, pardon, et de Mickaël. On va se garder jusqu'à 20 peut-être pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez l'onglet questions en bas à droite de votre écran. En tout cas, merci à tous les deux pour cette présentation très riche, qui j'espère aura permis aux différents participants d'entrevoir un peu les enjeux liés à la donnée d'entreprise et à sa qualité, sa qualification. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'acteurs, d'agrégateurs d'open data, et ça peut aussi mettre en difficulté des entreprises qui se fieraient uniquement à ces sources-là, qui sont encore une fois pas forcément toujours actualisées, comme tu le rappelais tout à l'heure, Frédéric. Alors, j'ai une question de Valérie Guéguerre. Pourquoi l'information d'un nouveau bilan publié n'est pas indiquée dans le cadre gris du haut du rapport Elipro ? J'ai pas entendu le début. Alors, pourquoi l'information d'un nouveau bilan publié n'est pas indiquée dans le cadre gris du haut du rapport Elipro ? Alors, c'est une question très technique sur notre outil. Oui, et puis ça fait appel, à des règles d'éditorialisation, donc ça touche plus la diffusion, je dirais, que la... Alors, normalement, il y a des messages d'alerte qui sont envoyés. D'un nouveau bilan publié. Normalement, les clients reçoivent un message d'alerte dès qu'il y a si l'entreprise est sous surveillance, dès qu'il y a un nouveau bilan qui est publié. Ça fait l'objet d'une publication. À part si elle est publiée en confidentiel, j'imagine. Oui. Oui, globalement, l'information n'est pas disponible. Non, ça, on sait le dire par contre. On sait dire quand un bilan a été. Les comptes annuels ont été déposés avec une mention de confidentialité. On le précise. C'est alerté, mais voilà, c'est. D'accord.
Très bien, est-ce que j'ai d'autres questions? N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas, sinon on va clôturer, on va laisser tout le monde aller déjeuner. Alors, mais si c'est un nouveau prospect, on n'a pas eu l'information avant de l'information. Alors, c'est des questions assez techniques. Ah oui. Donc, à la rigueur, je vais vous laisser peut-être revenir vers nos équipes pour ces problématiques plus techniques. Parce que là, le but, c'était vraiment de parler au global de la qualité d'information, la qualité d'information dans les bases de données. J'ai pas d'autres questions, donc je Mais vous sinon, oui, propose. François, tu peux nous faire passer les questions et on y répondra, bien sûr. Je vais vous faire passer les questions, effectivement, et on reviendra vers vous, Valérie, pour répondre à cette problématique que vous rencontrez. Et du coup, voilà, on va vous libérer. On vous remercie tous d'avoir été présents pour ce webinaire dédié à la qualité de données dans les systèmes d'information. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire, sûrement en début d'année prochaine. On vous souhaite une excellente journée à tous, et puis on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, bon Merci de votre appétit. attention, au revoir.